Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer ce flyer que vous avez vu au démarrage. Pour arriver à faire de telles choses, ce n'est pas du tout difficile si vous me suivez pas à pas et toutes les étapes que je vais juste vous dévoiler pour arriver par vous-même à faire ce que vous venez de voir. Alors, la première des choses, c'est de formater, je dirais, la page de votre travail, c'est-à-dire de vous mettre en confiance par rapport à la disposition de votre état, de votre page. Alors, pour que je diminue ça de cette manière ici, tel que vous le voyez, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche CTRL du clavier et puis sur le bouton scroll de ma souris. Okay? Donc, c'est comme qui dirait, je suis venu au niveau des zooms. Hein? Regarde-moi ici, je fais monter les zooms. Voilà. Alors, l'étape, la première, c'est de venir au niveau de l'insertion parce que, vous le savez, lorsqu'on fait les designs avec Microsoft Word, en tout cas, c'est le ruban hein, le plus sollicité. Je vais cliquer sur « Forme ». Je vais récupérer un premier élément ici. Vous voyez là où je suis. Je suis sur « Étoile et bannière ». Je vais récupérer cette bannière ici. Retenez toutes les étapes. Je clique et puis je vais poser ça ici. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais? Je diminue un peu la taille afin que je voie très bien hein, la configuration de mon histoire. Je vais grandir l'élément en question et comme ceci. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? Je vais encore augmenter. C'est laquelle l'étape suivante? C'est de venir au niveau des rotations. Donc, format des formes, rotation. Et puis, bouger seulement et puis voir les sens inverses. Vous voyez? Cette position dont j'ai besoin. Alors, je vais avec ça de cette manière ici. Je crois que ça, c'est la chose la plus simple à faire. Et dès lorsque je fais de cette manière-là, je vais vérifier et observer la grandeur de mon histoire. Ça va? Je le mets à ce niveau-là. Je crois que jusqu'ici, ça va. N'est-ce pas? Et dès lorsque nous posons cet élément, vous allez remarquer qu'il y a une petite bordure en noir. Moi, je ne veux pas de cela. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne parce qu'il est déjà sélectionné. Je vais au niveau des remplissages. Hein, je viens au niveau des contours, j'allais dire. Et puis, je vais mettre sans contour. Automatiquement, ce contour s'enlève de soi-même. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de dézoomer tout simplement et d'observer un peu hein, la grandeur de notre élément que nous venons de poser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer encore un autre élément qui va me permettre d'ajouter une petite emphase dans sa zone supérieure. Retenez cela très, très, très bien. Alors, il y a tellement de possibilités que je peux utiliser, ça va? Mais pour ce travail, je voulais prendre encore un autre élément. Je vais au niveau d'insertion et puis forme. Je vais récupérer cet élément ici. Regarde ça très bien. On me dit, il s'appelle courbe. Ça va? Et je viens avec ça ici. Je vais positionner ici. Regarde, je commence à dessiner moi-même. Je clique une fois. Je commence à monter en respectant la tendance du volume de mon premier élément. Je monte à nouveau. Je monte à nouveau. Vous voyez ce que je fais? Je monte à nouveau. Et voilà, donc je pars en cliquant tout petit peu jusqu'à l'extérieur. Là, j'appuie sur CTRL. Je clique une fois pour que j'aie cette portion verticale. OK? Et dès lorsque j'ai cette portion verticale, je clique à nouveau. Je fais CTRL, je clique. Et puis, je reparte à nouveau. Ça va? Je déclique. Puis, je reparte à nouveau en faisant ce que je veux faire. Alors, quand j'arrive ici, je commence à monter tout petit peu. OK? Faut bien voir. Et jusqu'à là-bas. Je crois que quelqu'un comprend ce que je fais. Et pour que j'aie ces petits éléments ici, vous voyez? Et le but, c'est de le mettre de cette manière ici. Vous voyez? Alors, je vais encore arranger ou sinon dézoomer ou sinon zoomer davantage pour que je voie l'élément de manière claire. Je vais au niveau des contours, je vais enlever les contours, ça va? Et puis, je viens au niveau, toujours dans le format des formes, je vais au niveau de modifier la forme, je viens modifier le point. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ces points,
voyez, j'ai diminué l'élément en question. Regardez très bien ce que je fais. Je vais encore ici. Je diminue l'élément en question. Je vais encore ici. Et qu'est-ce que je fais? Je diminue l'élément en question. Et voilà. Je crée une zone de confiance. Voilà. Je double-clique encore dans tout l'élément. Je vais au niveau toujours de cet élément ici. Et puis, je viens là-bas. Je peux toutefois encore diminuer ça comme je vais. Vous voyez? Et quand je termine à faire cet élément comme je le fais. Et voilà. Donc, j'ai cet élément ici en dessous. Vous voyez? Je peux toutefois l'arranger à nouveau et tout dépend de ma convenance. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes que nous sommes en train de mettre en place. Voilà un peu tout ce que moi j'avais besoin et c'est ce qui est fait. Ok? Alors, l'étape suivante, c'est de venir cliquer sur le grand élément en premier et puis faire un clic droit et puis aller au niveau des remplissages et chercher l'image. Je viens ici, je clique sur travailler hors collection, hors connexion, et qui m'amène au niveau de ma boîte, ok, du dialogue, où j'ai choisi l'emplacement bureau, où j'ai mis les éléments de mon travail. Alors, je vais cliquer sur éléments de travail, et puis je viens mettre, je prends cette photo ici, et je la sélectionne, et puis j'insère. Suivez toutes les étapes pour que vous arriviez à faire cela dans la bonne manière. Ok, je viens au niveau du format de l'image. Je peux soit venir ici, tout dépend. Je viens ici, remplissage, contour, effet, je clique ici. Le but, c'est d'avoir cet élément ouvert. Je viens là-bas. Et puis, je viens au niveau des remplures. Je viens enlever ceci. Et voilà, qui me retourne la photo à la forme normale. Ok, je viens décocher, faire pivoter avec la forme. Voilà. Et lorsque je fais comme ça, je vais fermer gentiment. Et quelle est l'étape suivante? C'est de venir ouvrir désormais format de l'image et puis venir au niveau des rogner et puis venir au niveau des remplir. Retenez ça très bien. Format de l'image, rogner et puis remplir. Je clique sur remplir afin que j'aie le format de l'image au vrai sens du mot. Je constate que mon image, c'est une grande photo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le ramène en bas et je le diminue tout petit peu et je le refais, je la remonte à nouveau et que pour que je puisse avoir ce dont j'ai besoin au vrai sens du mot. Alors, je fais quoi? Je la ramène de cette manière ici. Et voilà. Donc, j'ai cette dame ici avec la pomme à main. Et exactement, c'est ça que j'ai besoin. Et puis bon, je peux toutefois chercher. Et qui, voilà, tout ce que je vise, c'est que cette pomme soit vie. Vous avez compris? Alors, dès lorsque vous faites ça et que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous venez cliquer sur Ronnie en question. Non seulement ici, aux flèches, mais je monte ici. Je clique et j'ai la photo. Alors, l'étape qui suit, parce que j'ai déjà ma photo, et l'étape qui suit, c'est de donner un peu les couleurs, arranger un peu, modifier si vous en avez besoin. Et je viens au format de l'image. Et je reviens au niveau des corrections de l'image. Mais je viens d'abord au niveau de l'image. Je vais soit ajouter un peu l'éclat, si je le veux ainsi. Et puis augmenter un peu le design. Et selon que cela est ma convenance. OK? Alors, cette partie ici, parce que je vais traverser un truc de flyer. Je viens sélectionner mon deuxième élément. Et je viens mettre la couleur de mon choix. Et la couleur que j'ai choisie ici, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est cette couleur, c'est vert, accentuation 6, plus sombre 25%. Je clique là-bas et j'ai déjà mon élément. Je crois que jusqu'ici, quelqu'un est en train de comprendre tout ce que nous faisons et il peut les reproduire par lui-même. Suivez tout simplement les étapes. Ne sautez pas, ne jumpez pas, pas à pas pour que vous puissiez arriver à faire ça par vous-même. Alors, l'étape qui suit, c'est de mettre la couleur orange sur l'ensemble de ma page. Retenez. Je vais au niveau des conceptions. OK? Je vais au niveau, à la fin ici, au niveau des couleurs. Vous voyez ça? Couleur de page. Et puis, je viens choisir cette couleur ici. Vous voyez? C'est la couleur que j'ai besoin. Couleur O, accentuation 4. Je clique et j'ai ça de cette manière-ci.
Exactement, c'est ça que moi j'ai besoin. Alors, dès lorsque je finis à faire ceci, l'étape suivante, c'est de venir mettre quelques rondeurs. Je retourne au niveau de l'insertion, je vais au niveau des formes, je vais au niveau de l'ellipse, je prends et puis je vais déposer ici. Ça va, les gars? Donc, je vais déposer ma première rondeur ici et que je vais encore dupliquer comme ceci. Vous voyez? Et que je vais encore dupliquer comme ceci. Alors, je diminue un petit peu les écarts afin de bien sélectionner les trois éléments. Vous avez vu ce que j'ai fait? Voilà. Alors, parce que je sais déjà comment ça sert, je dézoome, j'enlève d'abord les deux premiers et je vais avoir besoin de cela dans peu de temps. Je clique sur le premier élément qui est l'unique élément. Alors, cette fois-ci, je vois les contours en question. Cette fois-ci, j'aurai besoin de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens au niveau des contours. Je mets d'abord la couleur blanche. C'est la couleur que je préfère pour les contours. Et puis, je viens au niveau des contours. Je viens jusqu'au niveau de l'épaisseur. Je traverse les contours. Je viens au niveau des autres traits. Le but, c'est quoi? J'ai ces palettes, des éléments de forme. Et puis, je voulais augmenter. Ça va ajouter l'épaisseur. Et je viens ici. Regardez très bien. Largeur. Je vois 1%. Et je l'amène jusqu'autant de pourcents que j'ai besoin. Et dans l'esprit de mon travail, j'ai besoin de 9%. Je crois que c'est un peu trop. Et puis, bon, je peux dire, bon, je mets d'abord 8%. Et si je trouve que ça me va, je dézoome et je vois. Et puis, je reviens à nouveau. OK? Et voilà. Donc, l'étape suivante, je peux toutefois fermer, que je gagne un peu en termes de la place. Et je viens à l'intérieur, je double-clique l'élément, je fais clic droit de la souris, je vais au niveau des remplissages, je vais au niveau de l'image pour insérer l'image. Je viens travailler en hors connexion, je vais mettre ma première image ici, la photo ici des végétables. Ok, j'insère ça ici. Que c'est facile, n'est-ce pas? Alors, dès lorsque je fais ceci, et c'est la même formule, je reviens au niveau des formats, je vais au niveau des rognées, je vais remplir, et puis je vois comment mon image se place, n'est-ce pas? Et puis j'ai la position telle que ça devait être, et puis je clique sur OK ici, et tout est en place, ça va? Et puis je fais quoi? Je duplique l'élément en question. Retenez, c'est facile à faire, et si tu mets un peu de la volonté, ça va? Et surtout, mes tutos sont des tutos 100% éducatif et vous pouvez toutefois apprendre beaucoup à la fois. Bien. Et dès lorsque je fais ceci, je retourne un tout petit peu. Je gère aussi l'écart de mes emplacements. Je vois ici jusqu'ici, je vois aussi d'ici jusqu'à là-bas. Je peux dézoomer et regarder. Je trouve que ça va très bien. Alors, je viens au niveau du deuxième. Je vais rapidement changer la photo. Et tel que vous le savez déjà, tous les éléments sont bel et bien à leur place. N'est-ce pas que c'est beau, n'est-ce pas que c'est propre? Et voilà. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre quelques éléments au niveau d'en bas. Je viens au niveau de l'insertion, je viens prendre forme, je prends flèche, pentagone. Je clique et puis je vais poser l'élément en question jusqu'ici. Vous voyez ce que je fais? Retenez toutes les portions et toutes les étapes. Et tel qu'il est là, je l'arrange promptement. Je vais au niveau de la rotation. Regarde, vous voyez. Et voilà ce que je veux. Et je le positionne, ou sinon je la positionne à la place. Et puis je zoome davantage. Je vois, il est avec ses bordures. Je vais enlever les bordures, sans contour. Et je vais mettre la couleur verte. Cette couleur dont j'ai besoin. OK? Et voilà, je la positionne là-bas. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens et mettre un peu de texte à ce niveau ici pour bien agencer mon travail. Mais je vous donne quelques astuces, la plus importante. Et de lorsque je suis ici, je vais ici, je prends A. Et puis je mets ici. Et puis je vais mettre mes textes tels que je le veux. J'écris par exemple serve. Voilà. Serve 30%. Et voilà, il est là. Et qu'est-ce que je fais? J'augmente les zooms. Et puis je sélectionne. Je vais au niveau d'accueil. Je vais au niveau de la police. Je vais choisir Montserrat Black. Okay? Vous pouvez télécharger la police Montserrat. Et voilà. Il est déjà black. Il a tout ce qu'il faut. Et puis, on l'a fait grandir. Voilà. Jusqu'à voir, par exemple, combien de pourcents? 30, combien? 48%. Et puis, j'ai diminué tout petit peu. Hein? J'ai l'élément en place. Je double-clique. Et puis, je vais remplir. Je prends aucun remplissage.
je vais couler des contours, je prends 100 contours. Voilà déjà mon élément qui est en place. Je peux toutefois déjà la positionner. Et pour que je travaille avec des alignements prompts, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de diminuer. Je vais essayer de diminuer. Et sinon, de mettre une ligne droite qui va me permettre d'être dans un alignement constant. Voilà. Et à la fin, je vais faire quoi? Je vais seulement enlever ça. Ça va? Et je fais comme ça là. Et puis, je duplique l'élément ici. Et puis, je fais quoi ici? Je vais au niveau d'accueil. Je change la police. Je prends mon Serrat Light. Et puis, je diminue la police. Et quoi? La taille. Et jusqu'à vraiment être à la basse taille. Et je prends, par exemple, combien? Je prends 18, j'espère. Je crois 18, ça peut aller. Et le but, c'est quoi? C'est de mettre un petit texte. Je mets égal et je crée les faux textes. Lorem, ça vous connaissez déjà. Et puis, j'ai juste un paragraphe. Et puis, je le mets là-bas. Et puis, j'avance tout petit peu ici, hein, mes éléments. Et voilà, je le mets là-bas. Et puis, il devait être comme des lignes. Je crois 2 lignes, ça suffirait. Et je le mets ici. Et voilà. Et après avoir mis ceci, je dois quand même mettre un petit titre ici, ok? À ce niveau ici, j'enlève tous les éléments, tous les textes de l'intérieur. Win the gift right now, alright. Puis je viens ici, je prends mon Serrat Medium, et puis bon, voilà, je m'arrête à ce niveau-là, et puis je vais diminuer la taille de mon élément, que c'est beau, que c'est propre, que j'arrange convenablement, et puis celui-ci, je le fais monter tout petit peu. Et voilà, je crois que quelqu'un est en train de comprendre comment on peut arriver à faire de telles choses. Ici, on a un peu de l'amour, de la volonté pour vouloir le faire. Et voilà. Donc là, j'ai diminué tout petit peu encore. Voilà, j'accueille, j'ai diminué un peu la police. Je mets 14. 14, c'est bien. Exact. Exact. Ok, je mets 14. Ça donne un truc de très propre et de très joli. Et voilà. Alors, après cette étape, qu'est-ce qu'il faut? C'est de venir récupérer celui-ci et puis le ramener ici. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est écrire, par exemple, About House, voilà, nous concernant. Et dès lorsque nous le mettons là-bas, et qu'est-ce qu'on fait? On ramène encore les textes ici et puis on ramène ça jusque là-bas. Voilà, je crois que quelqu'un comprend bien ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Et puis, bon, on dit que bon, les textes devaient être comme ça un peu, et puis on diminue un peu, voilà. C'est prompt, c'est bon, et voilà, c'est très chouette. Alors, l'étape suivante, c'est encore récupérer les titres, et puis venir les mettre quelque part ici, retenir les étapes. Et puis ici, on écrit par exemple « Our service ». Our services. Je mets S à la fin. Puis bon, je le diminue tout petit peu. Et vous constaterez que tout ça, il n'y a pas de de Photoshop. Ce n'est que Microsoft Word. Et voilà. Donc, on peut faire l'affaire avec ça. Et comme on l'a vu, voilà. Je le fais monter tout petit peu. Voilà. Et l'étape suivante, je récupère encore celui-ci. Un élément encore, hein, un élément ultra important. Et puis bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On vient d'abord enlever les textes de l'intérieur. Et puis on fait ce qu'il devait être fait. Je vais au niveau des puces. Regarde-moi, je suis à l'accueil, je vais au niveau des puces. J'ai choisi cette puce ici, vous voyez. Alors, dès lorsque je fais comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est et donner le gift de Pâques. Hein? Voilà. Pâques 1. Gift 1. Vous voyez ça? Alors, pour en faire davantage, je prends juste une petite portion de texte que j'aimerais mettre encore ici en bas. Voilà. Parce qu'on doit quand même donner d'abord une petite information, et puis on présente notre pack, n'est-ce pas? Et voilà, donc abonnez-vous sur la chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Ici, on vous apprend les choses en pro,
et puis vous devenez des pros. Je suis très content des témoignages que j'ai reçus la fois passée dans un commentaire. Et ça m'a fait du bien de voir un monsieur qui a aussi commencé sa chaîne en regardant nos tutos. Et aujourd'hui, il en gagne un peu plus dans sa vie. Et ça fait du bien de participer et aussi de donner les autres les moyens de progresser, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai fait ça, copier-coller, hein, vous savez ça déjà. Et voilà, donc je fais ça, je sélectionne, je viens au niveau de l'interline, je prends 1.15. Voilà, je fais comme ça. Je me dis, bon, peut-être c'est trop, je prends 1.15. Voilà, je fais comme ça. Et voilà. Et ce que nous venons de faire, c'est déjà un bon pas, un bon élément, partant même de tout ce que nous voulons vous faire voir. Alors, et l'étape suivante, normalement, je devais dupliquer ça, que j'ai ça en double. C'est ça la pensée. Alors, parce que j'ai besoin de ça de cette manière-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué d'abord ici. Vous voyez, j'ai diminué. Et puis, j'arrange à nouveau hein, ma portion du travail pour que j'aie la facilité de bien arranger et mes portions de choses. Et je le mets là-bas. Et puis, je viens ici. Je diminue comme ça. Et voilà. Donc, je peux maintenant enlever cette ligne ici. Elle n'est plus importante parce qu'elle m'a tout simplement aidé à arranger les choses de ce niveau ici. Bien. Alors, ce qu'il me reste, c'est d'attaquer cette petite partie ici. Très, très, très importante, n'est-ce pas? Et je viens ici. J'enlève ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'écris, par exemple, « Stirring ». Je viens ici, je prends la couleur blanche. Voilà ce que je désire. Ça c'est from, et puis je l'amène jusqu'ici. Vous voyez ce que j'ai fait? Et puis je fais quoi? Je duplique à nouveau. Et là, je le mets un peu à gros. Et ici, on commence par nous mettons par exemple 10$. Voilà. Et nous venons ici, mon sera black. Et puis nous ajoutons un peu la taille. Vous voyez? Et donc, nos cadeaux commencent à partir de 10$. Voyez. Et puis, éléments, je vais mettre en bas ici. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère juste celui qui est en haut, je les ramène en bas. Voilà, ça me facilite la tâche. Et puis, j'ai volé. Et qu'est-ce que je dis? Côte. Et voilà, on fait diminuer la chose de cette manière ici. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de récupérer encore une petite zone. Et nous qualifierons de travail une petite zone blanche. Vous voyez? Une zone un peu blanche que je mettrai ici. Et voilà. Nous la mettrons là-bas. Nous diminuerons un peu. Et puis, nous venons au niveau des couleurs de remplissage. On met blanche. Et puis, on enlève ça. Vous voyez? Et puis, bon, on va tester. Est-ce que la couleur blanche nous va? Non. Et puis, on prend la couleur de notre cher élément. Voilà. Et ici, nous voulons faire quoi? Poser encore quelques éléments. Tout ça, c'est avec les yeux, hein, ça va? Vous pouvez toutefois constater. Et puis, faire. Et voilà. Et puis, nous sommes toujours ici en bas. Nous venons récupérer juste une petite ligne ici. J'appuie sur la touche Shift, puis bon, je fais quoi? Je le mets ici, systématiquement. Il est là, et puis nous mettons la couleur blanche. Nous la donnons la couleur blanche. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nous venons mettre un peu de trait sur cet élément, sur cette ligne. Et puis, on fait quoi? On l'augmente un peu, on le donne un peu, juste une petite hauteur. Voilà, donc nous pouvons dézoomer et constater ce que nous venons de faire dans cette partie ici. Alors, celui-ci, je constate qu'il est un peu trop gros, partant d'autres éléments qu'on peut soit mettre. Très bien. Je crois que là-bas, ça va. Et ça lui suffit. Et ici, on va récupérer un autre élément que nous voulons poser ici. Et c'est quel élément? Vous allez le voir. Alors, nous voulons poser notre élément qu'on va mettre ici. Et puis, nous le posons. Et puis, je viens coller ici. Et le voilà. Donc, ça, c'est un élément très, très, très important de nos jours, n'est-ce pas? Les affaires partent avec les codes QR. En tout cas, dans les affaires, les codes QR deviennent un élément indispensable. Alors, je viens ici, je prends une petite zone que je mets ici. Voilà. Je mets une zone ici, à l'intérieur, au milieu. Et puis, je la positionne promptement à sa place.
Et puis, je vais contour, je mets 5 contours. Et puis, ici, qu'est-ce que je fais? Je lui donne la couleur blanche. Voilà, on donne d'abord la couleur blanche. Et puis, nous testons notre code QR. Il est en bas. Qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur l'élément. Je vais sur avancer. Je prends premier plan. Et puis, je vais poser notre code QR. Vous avez vu? Et puis, en positionnant notre élément. Et puis, en agrandissant un tout petit peu notre code QR. Et puis, lui donnant la spécificité de là où il devait être. Et voilà, donc tout maintenant devient aux merveilles. Et nous pouvons être désormais en paix et dans la joie parce que notre travail est bel et bien à la fin. Et ce n'est pas toujours la fin, tel que vous le savez. Et la fin, c'est d'abord de mettre notre petit logo d'en haut que je vais récupérer aussi pour travailler. Pose à nouveau mon élément. Il est là. J'ai le travail. Il est en bas. Je viens au niveau d'habillage. Je mets devant les textes. Et puis, je le diminue tout petit peu. Ça, c'est mon logo. Ça va? Voilà. Pour que vous puissiez savoir là où je suis. Et voilà. Donc, c'est ça. Et puis, je vais au niveau de l'insertion. Je récupère une petite zone de texte. Et puis, bon, nous écrivons, nous donnons les noms. Nous aimons l'agriculture et nous voulons faire beaucoup d'exploits dans l'agriculture. Voilà, nous aimons l'agriculture et voilà. Et c'est bon. Il n'y a pas de développement si on n'a pas mangé. Il n'y a pas de développement si on ne réfléchit pas bien. Et puis bon, les Français disent que les ventres enflammés n'ont point d'oreille, n'est-ce pas? Alors, nous venons enlever ça et voilà. Alors, nous disons, bon, ici, c'est quelle couleur? C'est notre couleur de travail. Nous lui donnons cette couleur-ci, exacte. Vous voyez? C'est notre couleur que nous sommes en train d'utiliser. Et voilà, nous venons récupérer ça ici. Et voilà, nous prenons notre couleur aussi. Et voilà. Et puis, bon, ici, nous mettons. Et puis, celui-ci. On va tester, hein, ensemble. On suppose que si on met celui en blanc. On va voir ce qu'il donne. Et puis, celui-ci, on diminue un peu sa taille. Voilà. Et puis, on diminue déjà. On diminue déjà. On diminue. On diminue. On diminue. Et voilà. Et puis, ici, on arrange les choses telles que ça devait être fait. Et puis, bon, on ajoute encore un tout petit peu afin que les titres se manifestent selon que nous les voulons. Voilà. Et puis, nous pouvons toutefois chercher à voir notre travail. Si vous avez aimé et que vous avez compris, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne et surtout, encouragez-nous par des likes. Et dans peu de temps, vous allez voir ça dans les téléchargements. Si je fais ça pour vous, hein, vous pouvez tout à fait récupérer ça, mettre des vrais textes, du bon contenu, et puis ça peut vous servir à vous progresser, sinon à progresser. Et dans peu de temps, vous aurez nos formations, sincèrement, nos formations en package, OK? Word niveau élémentaire, Word niveau intermédiaire, Word niveau avancé. Et puis, je vais vous montrer toutes les astuces et beaucoup de choses pour que vous puissiez aller plus loin dans votre formation. En tout cas, nous cherchons quelques personnes qui peuvent nous aider à avoir un peu plus pour que j'achète vraiment l'hébergement pour vous mettre mon site internet, Cyrdinilo Pro, qui va vous donner tous les éléments. Je vais travailler sur Photoshop, Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint et même dans les designs de plus haut niveau. Et dans l'entretemps, j'aurai aussi une autre chaîne où je vais vous apprendre à développer vos sites web. Portez-vous bien et on se voit à la prochaine. S'il y a des commentaires, des communications, des choses que tu n'as pas encore compris, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous serons ensemble. Merci.